Bonjour tout le monde, welcome again with the Flipped class. Today we start inshallah a new lesson, talk about the new unit. We talk about the vacation. So last time we talked about also what we need if we go to any place to make any activity. So we complete what we need if we go to spend the vacation. And what we'll put in valise. Valise is mean the bag. So we start now our session with this question that we asked before. Où veux-tu aller en vacances? Where you want to go in vacation? Or où vas-tu aller en vacances in the future? Anyway, I say je veux, it means I want, or je vais, I will, aller, je veux aller, I want to go. Or je vais aller, I will go. After that, the place where, à la mer, I will go to the sea en été, that we think before. Or je vais aller à la montagne en hiver, in the winter. Or je vais aller à la campagne, à la farm, au printemps, in the spring. Je veux aller, or je vais aller, after that, the name of the place, and the name of the season. Independent of the season, I will make activity. Because we, inshallah, after that, we talk about the activity, we'll do it in each place. So, où veux-tu aller en vacances? Where you want to go on a vacation? Je veux aller, or je vais aller, à la mer, in the sea, adult the sea, en été, à la montagne, montagne en hiver, à la campagne, or à la ferme, au printemps, à la campagne, or à la ferme, au printemps, in the spring. Because en été, il fait chaud, it's hot. En hiver, il fait froid, it's cold. Au printemps, il fait beau, it's good, it's beautiful. That we explain it in grade 3. So, now, I say, I will go to any place. So, the question, the title of the lesson here, qu'est-ce tu vas mettre, what you will put, qu'est-ce que tu vas mettre, put inside, what, dans ta valise. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise? Casque, what? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise? What you will put in your bag? So, valise in your bag. What you will put in your bag? Here, I use the future. Casque, what? Tu, you, va, verb to go in the present. After that, verb in infinitive form. What you will put inside, what inside dans ta valise, your bag. So we can start with, so we talk about the clothes, les vêtements, the clothes, les vêtements. So I will talk in general the clothes now, but I will try to identify the clothes in general. So in general, now you will see what, dans ma valise, in my bag, dans ma valise, in my bag, je vais mettre, I will put inside my bag what, je vais mettre, des vêtements, clothes, des vêtements. But we have two kinds of a clothes. We have des vêtements. Chaud is heavy. I say that in Arabic, tila. Or chaud in the French is it's hot to give me to in the cold. So I need to have is heavy clothes. So I say chaud in French. Des vêtements chauds. Or des vêtements ou or des vêtements légers, des vêtements chauds, des vêtements ou or des vêtements légers. You say, and depend of where you go exactly. If you go to the mountain or you go to the sea. So I see we will explain that in details now. Dans ma valise, je vais mettre des vêtements chauds. Chaud ou des vêtements légers. C'est this or this. Je vais mettre des vêtements chauds, des vêtements légers. Et, and also, ma trousse de toilette. Trousse, we take it before in grade 3, is meaning the pencil case. So, trousse de toilette, for the toilet, yes, is like where you need something to hair or cut my hair or I need to something for brush my teeth, so I need what exactly I put. I have a small bag
small pencil, pencil case to put inside it the material I needed to use it. So dans ma valise, je vais mettre des vêtements chauds ou des vêtements légers et ma trousse de toilette. So ma trousse de toilette, I explain to you the difference between trousse et trousse de toilette. So now we talk about the kind of the clothes now. Les vêtements, I can say il or elle, me, is meaning put inside, or if I say dans, or il or elle, me, is meaning he wears what? So il or elle, me, I can use it as two meaning. Me, after I say dans, like we say before dans, that is inside, dans la valise, so he or she put inside the bag, what? And if I say it, il or elle, me, after that, the clothes is meaning he wears what? Il, me, un pantalon, is meaning he wears a pantalon, for example. Un bon talon, un jean. It's like in jeans in English. So, un bon talon, un jean. Un t-shirt, because this word is English word, so you can use it as it is. So, un bon talon, un jean, un t-shirt. So, un jean, un t-shirt, un boulot, un short, un pull. Is pull or pullover, it's pullover in English also. Un pull or pullover, un manteau, un costume, un survêtement, un chapeau, un bon talon, un jean, un t-shirt, un polo, un short, un pull, un manteau, un costume, un survêtement, un chapeau. Ensuite, une jupe, une robe, une chemise, une cravate, une casquette, une veste, des baskets, des chaussures, des bottes, des chaussettes, des protelles, une jupe, une robe, une chemise, une cravate, une casquette, une veste, all of them is ending by E, letter E. Des baskets, des chaussures, des bottes, des chaussettes, socks, des protelles. For example, I will say now, I will go to the sea. En été, je vais aller à la mer. En été, je vais aller à la mer. Or, je vais à la mer. I go to the sea. So, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise? What you will put inside your bag? You say, dans ma valise, je vais mettre, I will put inside it, dans ma valise, or dans la valise, je vais mettre des vêtements
David more léger, it means not hot clothes. David more léger, comme what, like what? Des shorts, des t-shirts, etc. Or any other clothes not heavy like I mentioned before. You can see many other clothes as you like. Mon or un maillot de bain, we take it before. Yes, sure, to swim. Un or mon or un bonnet de bain, bonnet de bain. Des lunettes de soleil, des lunettes de soleil. Dans ma valise, je vais mettre des vêtements légers. Dans la valise, in the bag, or dans ma valise, my bag, je vais mettre des vêtements légers, des shorts, des t-shirts, un maillot de bain, un bonnet de bain, you can see deux ou trois as you like, deux ou trois as you like, des lunettes de soleil, also that we say it. Je vais mettre also, or j'ai besoin aussi, I need also, you can see j'ai besoin aussi, I need also what? D'une serviette, serviette de bain ou serviette only, de mon masque et mon tuba, that we said, et d'une crème solaire, et d'une crème, j'ai besoin d'une crème solaire, that we put it in the bag. But if now we go to the mountain, en hiver, je vais à la montagne en hiver, I go to the mountain in the winter. Je vais à la montagne en hiver. So, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise? Dans ma valise, my, here is my. Dans ma valise, je mets, I put what? Des vêtements chauds. Je mets, or je vais mettre, des vêtements chauds is hot clothes. Like, comme what? Comme un manteau. Un manteau, we said before, manteau, un pull, une veste. De quoi as-tu besoin aussi? J'ai besoin d'un bonnet de ski, d'un bonnet, des gants. Des baskets, or des bottes. Depend the boy or girl, what you can do it also for the boy, also the big one. Des bottes. Also, what also I don't for we say, Mr. J'ai besoin all the time in des vêtements chauds or des vêtements légers. J'ai besoin aussi de ma trousse de toilette. I say before, trousse de toilette is a pencil for the toilet. Dedans is make inside it. Dedans is make inside it. Inside this trousse, je vais mettre quoi? J'ai besoin d'une dedans une brosse à dents. You can say, j'ai besoin d'une brosse à dents, or you say, j'ai besoin de ma trousse de toilette, dedans, une brosse de dents, brosse à dents, un dentifrice, and here is the apostrophe, if you say, j'ai besoin d'un dentifrice. But if you say, j'ai besoin aussi de ma trousse de toilette, dedans, you say, une brosse à dents, un dentifrice, un savon, une brosse à cheveux. J'ai besoin aussi de ma trousse de toilette, dedans, une brosse à dents, un dentifrice, un savon, une brosse à cheveux. So that we do it, and we have a small exercise about that. Look it now, we can read it carefully from the book. Here
we need read it after that. We need the name of the in each one. So dans la valise, in the bag, de Maggie. So we talk about the bag of Maggie. Il y a, there are, sans bonnet, we take it before what it makes sans. So it means has or hair. Sans bonnet de bain, because it's hair, so it's hair. Bonnet de bain, sa serviette de bain, un savon, une trousse de toilette, un t-shirt, une jupe, des chaussettes. So we'll look at now here, we have something is different. So here is un sans bonnet de bain is not here. Sa serviette is not here. Un savon is not here. Trousse de toilette not here. Un t-shirt. Une jupe. Yes, here is jupe. So is this one. Talk about we have all of that and also une jupe inside. Et des chaussettes. A second bag. Dans la valise d'Alice. To talk about the valise de Alice now. Il y a, there are, bonnet de bain, sans bonnet de bain, sa serviette de bain, une crème solaire, une trousse de toilette, un t-shirt, une robe. Here, yes, une robe. So here, it's here is robe is this one. So dans la valise de Leo, talk about the bag of Leo. Il y a sans maillot de bain, like all the others. Sa serviette de bain, like all the others. Un savon, all the others, une crème solaire, une trousse de toilette, un t-shirt, yes, maybe all the others, they have t-shirt also, un short, here is different, so we talk about Leo in this photo. Last one, so is Marcel. So, dans la valise de Marcel, il y a son bonnet de bain, son maillot de bain, sa serviette de bain, un savon, une crème solaire, une trousse de toilette, un t-shirt, un bon talon, des chaussettes. So is Marcel. Here, the difference is bon talon. Is one is different about each other. So, for that dictation, we have je vais aller à la mer. Je vais aller à la mer. I will go to the sea. Alors, so, is me, alors, is me, so. Je vais mettre, I will put, inside, dans ma valise, inside it, the bag, des vêtements légers. I will take the clothes is not heavy one. Comme, because it's very hot there. Un maillot de bain, comme as maillot de bain. Et deux shorts et trois t-shirts. That we have in this week. Merci à vous et à la prochaine.